J'espère que vous allez bien. Yom Radin Shofu, certains produits que je mets en route dans la première partie soins au quotidien. Je vous mets quelques produits, mais après, comme j'ai plus d'explications. Dans la deuxième partie, on va voir plus d'explications par rapport aux premiers que j'ai utilisés, plus d'autres nouveautés. Anmudao, tout de suite. On va commencer par l'huile de coco. Ça, ça fait d'abord l'huile de coco un tab sef diel istiamelat et l'istiamel li ana tanbri wa huwa la l'hydratation intense au niveau diel chaque. Qadrou ndirou mena vraiment très très peu comme un sérum ou ndirou hal les points. Aoula on bain d'huile une fois par semaine aoula deux fois, c'est suffisant partout sur la longueur. Nhaoulou ma nkthrouch fla racine surtout la ndkoum. La racine midma ma ديروهاش نهائيا sinon غادي تنشف لكم la racine. Tanxliha pendant 1 heure, c'est suffisant. Elle hydrate, elle nourrit et ça sortait vraiment une très très bonne brillance. Ana عندي هادي ديال Natessence coco bio. Essayez تستعملوا le bio et la قدرتو c'est beaucoup mieux. Et bien sûr qu'il m'a قلت لكم عندها استعمالات بزاف بزاف. Ana تنستعملها surtout le char. Vous pouvez l'utiliser aussi en massage sur la cellulite. Elle peut combattre la cellulite. Rien parce que je dis que la cellulite est très absente. Mais par contre, contre la cellulite, l'ISMR se coule yomien avec des massages. Mais sinon, voilà, le char, c'est aussi très très bien. J'ai dit qu'il y a une diadmara, mais je touche la vidéo. Wahoua, un après-shampoing en forme de mousse. Voilà, comme ça, de chez Energy Fruit. J'aime beaucoup la marque, elle dit par exemple les produits pour le corps et le shampoing, le shto de Klmarali, vraiment extraordinaire, surtout le net, il y a une con. La caratine, ou là, le botox, c'est sans formule, sans problème. Et la mousse. Alors, c'est une mousse à l'huile de monoeil et l'huile de macadamia qui démêle cheveux abîmés. Alors, à Dingoul, plutôt pour un cheveu normal, mes couches abîmées, mes couches secs, et elle a vraiment pas, elle a pas une bonne hydratation, mais elle est chez ça, c'est surtout l'odeur d'yala. Voilà, c'est en forme de mousse et ça sent vraiment très très bon. Ça sent l'été, donc les itlmonoïs, les tiendiron après exposition d'yalchim, ça sent tout à fait ça. Et si elle est chez ça, mais là, comme vraiment cher, comme neige. Samlo le masque et marramra samlora il a une bhali, surtout pour l'odeur. Un autre produit que j'ai beaucoup aimé pour les cheveux wahoua, head le masque les cheveux maïa la vidéo. C'est un masque qui va agir pendant la nuit, pendant le sommeil, pendant le repos. C'est comme les masques d'yel le visage, les syndromes ou les soubirons le lendemain en rince. C'est la même chose. Khdit hada au beurre de karité lihoua anti-casse. Et celui-là, c'est à l'huile de coco. C'est un masque nourrissant, réparateur et très très hydratant. Quel est le masque? Vraiment très peu, puisque il est quand même assez concentré. Il a un kumchak, twil et épais. Tu peux dire en 3 fois. Je vais dire le masque 4-5 fois. C'est vraiment fait bzaf, un tout petit peu si suffisant. Ça ne sert à rien de dire un soin le charco, et si je dis beaucoup de le produit, ça va faire réagir avec une feuille d'ixal. C'est au fur et à mesure, mais le temps qu'on applique, qu'on utilise un produit, et d'une feuille d'ixal. Et ben le masque, c'est pareil. Il s'amuse vraiment très peu sur toute la longueur. Il y a où l'on met la racine, bêche mettre et m'aide le bonnet, ce qu'on appelle une charlotte, pour protéger l'oreiller. Et le lendemain, je l'ai rincé et vraiment char très nourri, très hydraté. Et un conseil faut mettre le lendemain, smithon chelé lui quand charé un peu gras, un peu trop alourdi, sans volume. Bah, pas du tout, vraiment on a le cheveu brillant, pas du tout gras à la racine.
en même temps qui m'actiquent نحاولوا ما نقيسوش لا غاسين بزاف et une très 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 bonne hydratation. Un autre produit que j'ai utilisé aussi, puisque c'est un multi encadré, je vous le compte tout de suite, j'ai pas beaucoup aimé le masque de nuit pour les pieds. Enfin, c'est pas un masque de nuit, mais c'est un lot des chaussettes qui m'a contusto pour hydrater tout simplement. Une fois hito, comme c'est vraiment liquide, hein, c'est pas en forme de crème. Une fois hito, je l'ai pris en échine. Yani ma darchi haja extraordinaire. Voilà, bon bah, il est pas très cher, mais chez Mouchkine, mais bon, c'est voilà, j'ai pas trop aimé. Un autre produit pour le visage, par contre, Hadimara, c'est le masque à la violette, toujours Sephora, puisque j'ai reçu pas mal de produits Sephora, ça faisait longtemps ma sandwich Sephora de Maragout, en la route, et en même temps pour tester. Had le masque à la violette, c'est pour hydrater, pour lisser la peau. J'ai beaucoup aimé, ça me tout 15-20 minutes. Normalement, c'est 15 minutes, c'est suffisant. J'avais la peau vraiment très hydratée, très lumineuse. Moi, j'ai beaucoup aimé. Dites aussi le masque yeux à la grenade, hein, la grenade au riel Rman, tout simplement, pour hydrater et reposer les cernes. Déjà, le genre de patch, j'aime bien. Par contre, je ne rince pas. Après, je masse le produit sur ma peau jusqu'à ce qu'elle absorbe. C'est un très très bon hydratant au niveau des cernes. Un autre masque aussi, c'est un masque hydrogel pour les yeux, pour hydrater et défatiguer. Je suis les yeux, des fois, pour que les paupières soient très, vraiment, très très fatiguées. Là, c'est un patch coulant et ça permet de dégonfler, de défatiguer le regard. Il y avait 50% dessus, 2,47€. Un autre produit que j'aime beaucoup chez Sephora, fait des vidéos maquillage, ouais, tout simplement le baume à lèvres. On a dit déjà presque salito, des tadmara à l'huile de coco. Là, j'aime bien, ça c'est Kimaklikom, c'est un de mes indispensables. D'ailleurs, on a dit le baume à lèvres dans mon sac, et sinon j'ai les lèvres qui se dessèchent très très rapidement. Toujours chez Sephora, on a regardé pas mal de choses. C'est une eau micellaire, les contre-détails il y a déjà 2 mois. Eau micellaire démaquillante au charbon. C'est pour le visage et les yeux. Alors là, j'aime bien me démaquiller, mais ça, je garde les 3 heures. J'aime bien qu'on ait un produit pour tout. Comme ça, je suis obligée de me démaquiller. Des fois, c'est un trou, on n'a pas envie. La salle de bain. Ça, c'est des produits que j'apprécie beaucoup. Ça démaquille tout. Elle démaquille très très bien. Même les mascaras qui sont très difficiles à démaquiller. Peut-être que la peau, qui n'a pas de temps, la crème, peut-être que la peau très très douce. Mais elle ne dessèche pas du tout. Et le tiraillement des folies est maintenant par rapport à certains démaquillants. Je vais tellement en lingette et en plus elles sont très très bien. Alors ce que j'aime bien, je l'ai cassé, j'aime bien le petit format, ça c'est très bien si vous voyagez souvent ou vous partez en week-end ou l'alchimie, le petit format il me plaît comme c'est partout. Alors on a fait en lingette, souvent c'est une dimaille les lingettes. Pareil, lingette au charbon, lingette exfoliante. Et donc, jugez. Alors, la première partie, je ne sais pas où je vais dire, c'est pour gommer. Et l'autre partie, c'est pour démaquiller. Alors, pour démaquiller, je vous dis, que ce soit les lingettes ou l'eau micellaire, ça démaquille très très bien. C'est la peau nette, hydratée, rien à dire. Mais je ne sais pas la partie gommante.
Et les حبيبات اللي فيها surtout اللي عندكم la peau sensible, elle a dit la peau sensible qui rougit très très facilement, la tiété n'auto fait حبيبات, le produit là ça lui convient pas. Et هادي فيها vraiment هاد الحبيبات ça fait mal. تيدير داك اللي في بحال تمشيو للحمام تنحكو بزاف و تيتشرح لينا la peau, بلا سي pareil. Vraiment استعملتها باش pour tester et je n'ai pas pu supporter. تنستعملها اكثريه pour les lèvres. Pour faire un gommage et même les j'ai gommé les lèvres alors du coup il a comme la peau sensible ou vraiment sensible mais c'est un louage ou là vraiment très très peu sur les peaux mortes les points noirs ou là un tout petit peu sur les lèvres là ça s'appelle Acteria Hadi. Une autre marque que j'apprécie beaucoup par rapport au corps, déjà je suis une autre vidéo pas dit l'idée, où il y a la marque Bio Derma. J'aime beaucoup, c'est sans savon, c'est spécial, peau sensible, peau sèche. Et là c'est un, c'est une huile de douche. Voilà, il a une comme la peau sensible qui se dessèche très vite. Elle dit extraordinaire, c'est une huile de douche. Ça ne mousse pas beaucoup. Il est une fan de la mousse. Elle dit elle ne mousse pas beaucoup. Mais vraiment, on a une peau qui est très très hydratée. Des fois, on hydrate le visage et le corps en entier. Vraiment, ce genre de produit, ça aide. On se lave et on rince. Et on a la peau quand même hydratée. Qui tiraille pas, les pieds, c'est pas très joli. J'aime beaucoup, j'ai déjà le soin que j'adore et l'huile de douche en plus, format XXL, spécial pour la famille, c'est impeccable. D'autres soins pour le visage, c'est les produits Rexaline. C'est des produits que je connaissais pas du tout sur le site Sephora ou la Sephora, puisque tu vas aussi sur leur site directement ou là chez Sephora. J'apprécie énormément cette crème. C'est une crème surhydratante. Alors, Anna, tout ce qui est surhydratant, hyper hydratant, super nourrissant, bien graissant, j'adore puisque j'ai la peau qui se déshydrate très très vite. Une peau déshydratée, c'est une peau qui manque d'eau. L'idée, et ma peau, elle est déshydratée en permanence. La peau déshydratée, c'est une peau qui manque d'eau. Et la mienne, elle manque beaucoup, beaucoup d'eau. Ou had le manque, je le compense par des soins. Et la peau qui est mal déshydratée, qui est sèche, il va nous faire les rides beaucoup plus rapidement, surtout au niveau contour de l'œil. Par exemple, la cellulite, souvent, quand on hydrate moins ou pas assez notre corps, notre peau, la cellulite, elle se forme beaucoup plus rapidement. Et bien sûr, c'est héréditaire, on a les rides beaucoup plus rapidement que d'autres, ça dépend de la peau. Mais l'ahsan, on hydrate sa peau au maximum pour éviter justement que les rides se forment rapidement. Et avec cette crème, grâce aux actifs végétaux, ça permet d'hydrater et donner une bonne hydratation. Bon, moi j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé. Tant que ça hydrate, pour moi, c'est essentiel. Alors la crème, le soin se présente comme ça au niveau du packaging. Alors moi j'aime beaucoup les packaging comme ça fait très très chic. Now de la petite ouverture, c'est un peu transparent à ce niveau-là. Ben il ben là le produit, ou je là. Voilà, c'est une pompe comme ça. Qui mèche tout déclamera vraiment des. Comme la crème, elle est très très hydratante et très riche, très peu, c'est suffisant. J'ai aussi le Hydrazone, c'est le contour des yeux. Pareil, qui mèche tout comme c'est très important, bonne hydratation. Contour des yeux, sinon, les petites ridules, elles se forment très très simplement. Là, comme on a la terme, c'est ce qu'on ne pas, etc. Là, elle craque. Et eh ben,
ou jeûne, ou la peau de notre corps, c'est la même chose. C'est une hydratation vraiment au quotidien. Voilà, le packaging, c'est pareil, il y a de la le petite transparence. Là, je dis ben le produit, wesh c'est là, ah oulala. Le site de chez Rexaline, je vais mettre le compte Pulchi en barre d'infos pour toutes celles qui veulent commander. Un compte pour l'achat d'un soin, le contour des yeux offert. Il faut savoir que le contour des yeux, quand même, il coûte 50 euros, c'est très très important. Moi, je vais mettre le compte Pulchi en barre d'infos. Et voilà, j'espère que j'ai rien oublié à titre comme fikra à les produits qu'on s'amène. Et au mien, c'est des produits qu'on s'amène réellement. Mais quand je riche, on aurait comme un tom. Là, là, c'est des vrais produits qu'on s'amène. Ben, je suis incline à titre comme ra et diali. Il a tout ma même chef. Qu'est-ce que je m'en affole quand tu ça ou je vous appuie sur la petite cloche là de kawashi, shiblasa, naya. Ma tête rate belle comme quelque part par là. Vous cliquez dessus et vous êtes directement sur ma chaîne pour vous abonner. Tallah frascom, soyez belles, soyez heureuses, et puis voilà, plein de belles choses, et je vous embrasse, à très bientôt, bye.